Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous sommes rendus dans la dernière semaine de cours et les vacances se profilent à l'horizon dès vendredi. Ce petit message en toute simplicité pour vous souhaiter de bonnes vacances. Bonnes vacances, des livres qu'on n'a jamais le temps d'ouvrir, des randonnées qu'on n'a jamais le temps de faire et tous ces moments heureux que vous passerez en famille avec les amis et qui vous permettront de vous ressourcer. De vous ressourcer après une année très compliquée. Ces vacances sont méritées. Alors, les vacances sont toujours méritées quand on est enseignant, mais je crois que cette année, les vacances sont encore plus méritées. L'année a été particulièrement difficile. L'académie a traversé un cumul de crises sanitaires et sociales qui sont venues après des années de Covid. Donc, des vacances tout à fait méritées. Vous avez vraiment tenu le choc. Le choc de cette année, le choc du retour dans les établissements des élèves et puis le choc de 3 années de crise. Tenir le choc, c'est-à-dire tenir bon, ne jamais baisser la garde, assurer la continuité pédagogique pour nos élèves, savoir concilier un peu l'inconciliable, les intérêts sanitaires et les intérêts pédagogiques, vous avez toujours été là. Merci. Je souhaitais vraiment vous dire merci d'avoir été là. Merci d'avoir assuré cette continuité pédagogique. Merci lors du retour des élèves depuis mars à l'école ordinaire. Merci d'avoir reçu les tout-petits qui avaient perdu leur cadre de socialisation. Merci d'avoir eu la patience d'accueillir nos élèves avec des incivilités qui se développaient même dans les cours d'école primaire. Pour les plus grands aussi, merci d'avoir été à leur côté. Merci d'avoir redoublé de cours pour leur permettre de continuer dans leurs apprentissages avec le plan MINIR. Merci aussi dans les classes d'examen d'avoir été là pour nos élèves, pour qu'ils passent dans les meilleures conditions les épreuves et puis pour les soutenir psychologiquement. Je sais que vous avez été là aussi pour les soutenir psychologiquement quand, face à des crises d'angoisse, face à des difficultés, face à des phobies scolaires, ils vous montraient que eux aussi, pour eux aussi, la crise avait été compliquée. Donc vraiment, en toute simplicité et du fond du cœur, merci pour tout ça. Vous remercier ne suffit pas. L'institution, dans cette période extrêmement difficile, doit être à votre côté. En arrivant dans l'académie, j'ai multiplié les déplacements et tous, vous avez tiré la sonnette d'alarme en nous disant « attention, il va falloir vraiment préparer la rentrée parce que nos élèves sont confrontés à des grandes difficultés. Nos élèves, à partir de mars, ont du mal à revenir dans leur métier d'élève. » Problèmes de concentration, absentéisme, difficulté à respecter les règles basiques de l'organisation scolaire, relations difficiles avec les adultes, problèmes d'addiction aussi aux écrans, incivilité. Vous avez vraiment tiré la sonnette d'alarme et nous l'avons entendue dans le rectorat. C'est pour ça que nous avons lancé « L'école se mobilise pour une rentrée sereine ». L'école se mobilise pour une rentrée sereine à partir de mai. Ça visait à aller chercher dans les établissements toutes les bonnes idées que vous aviez pour pouvoir faire revenir nos élèves en septembre dans leur métier d'élève. Vous avez proposé dans les établissements énormément de projets. Des projets pour refaire du collectif, aller nettoyer la mangrove avec des groupes d'élèves, par exemple des raids de cohésion. Des projets pour favoriser aussi l'expression artistique de nos élèves pour qu'ils puissent finalement s'exprimer autour des difficultés du Covid. Vous avez comme ça multiplié aussi les projets pour soutenir aussi psychologiquement nos élèves avec des espaces zen, par exemple, des lieux où on peut enfin se poser quand on n'est plus très à l'aise dans l'établissement. Et puis des projets aussi pour tendre la main, aux parents, parce que là aussi, vous avez été présents, vous savez que les parents ont été en grande difficulté, et malgré certains niveaux d'agressivité, là aussi, vous avez été présents, donc là aussi, vraiment, merci. L'ensemble de ces projets est versé dans une boîte à idées et ils vont pouvoir être mutualisés au sein de l'académie pour être partagés. Et nous allons le plus possible les porter avec vous pour vraiment vous aider à revenir dans une école davantage sereine. Nous ne sommes pas en train de vous dire que la rentrée sera sereine. Nous sommes en train de vous dire que nous allons tous se mobiliser. Toutes les équipes vont se mobiliser pour vous aider à ce que cette rentrée soit la plus sereine possible. À côté des difficultés du Covid et de l'opération « L'école se mobilise pour une rentrée sereine », au rectorat, nous sommes tout à fait aussi conscients qu'il y a des difficultés internes,
que nous devons résoudre. Que nous devons résoudre parce que nous vous devons également un cadre de travail hein, qui garantisse vraiment l'inscription la meilleure hein, dans les établissements. Donc sachez que là aussi, nous serons là. D'ailleurs, nous allons réfléchir à ce sujet et à d'autres, hein, la pédagogie, le développement de la citoyenneté, la culture. Mais nous allons aussi discuter de cette académie de proximité, cette académie qui est à vos côtés. Nous allons en discuter dans le cadre du projet académique. Ce projet académique, nous y souhaitons réellement le co-construire avec les établissements, le co-construire avec vous. Nous avons besoin de vos idées, nous avons besoin de vos remarques, de vos commentaires pour améliorer demain l'école. Donc entre septembre et décembre, je reviendrai vers vous, mais sachez déjà que nous allons avoir une grande mobilisation pour pouvoir faire un bilan de ce qui est vécu aujourd'hui dans l'académie et puis surtout nous projeter, porter des idées tous ensemble, construire tous ensemble un projet territorial pour la Martinique en matière d'éducation. Vous voyez, nous avons énormément de projets à construire ensemble, mais avant, ces vacances, qu'elles soient un moment de repos, un moment de ressourcement, pensez à vous, pensez à vos proches, et je vous dis à très bientôt. Et nous nous retrouvons pour la rentrée le 31 août.